La culture crève la gueule ouverte. Vous passez de bonnes vacances, Madame Roselyne Bachelot? Parce que nous, on a mal au bide et au cœur, et on attend des réponses qui n'arrivent pas. Mon métier me manque, et je pense à tous les travailleurs du monde du spectacle et je leur envoie tout mon soutien, a écrit Clara Luciani dans une story sur son compte Instagram le lundi 17 août. Ce mercredi 9 septembre, la ministre de la Culture était invitée sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Au cours de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué le coup de gueule de l'artiste avant de donner la parole à Jérémy Ferrari, invité pour débattre avec Roselyne Bachelot. Au cours de l'émission, Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué le coup de gueule de l'artiste avant de donner la parole à Jérémy Ferrari, invité pour débattre avec Roselyne Bachelot. Vous connaissez la vie des ministres. C'est... c'est mesquin. À ses côtés, l'humoriste a défendu sa consœur en rappelant qu'il y a beaucoup d'incompréhension et qu'ils ont la responsabilité de nombreuses personnes, il y a une colère, une vraie colère. On est triste. Ça c'est une première chose. On ne va pas se mentir, si ça ne réouvre pas tout de suite, moi, je ne vais pas perdre ma maison. En revanche, mes employés, eux, oui. Il n'y a pas que des artistes.